If I could choose anything, that would be good. In bed one day, I would fall into love and stay. And fall into love. Hey, c'est dur ce matin. I keep on writing a sequel to stories I know that I'm not there. I don't wanna die, but I don't wanna live like this. On est le mardi 1er décembre, ça y est. Du coup, j'avais très 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 envie de vous emmener avec moi dans cette semaine, puisque je vais avoir une semaine assez chargé, je mets des gros guillemets puisque étant donné que c'est encore le confinement, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je suis un peu paumée, donc j'essaye de faire au mieux du moins. Je vous prends là ce matin pendant mon make-up parce que c'est un peu la course. Je suis en cours aujourd'hui, donc en distanciel bien évidemment, ce matin de 9h à 13h. J'ai des projets de groupe toute l'après-midi, donc voilà, ça va être assez rempli aujourd'hui. Comme tous les jours de mes semaines, puisque de toute façon comme je suis d'alternance, c'est vrai que je m'arrête pas du tout. Et ce soir, je prends le train pour rentrer sur Paris, puisqu'en fait, je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais reprendre le boulot. Donc, je préfère être sur Paris un peu au cas où. Donc, j'ai mon train à 17h40 ce soir. La fin de la semaine, ça va être assez tranquille. Je suis en télétravail. Mais je voulais vous prendre, puisque je veux décorer un petit peu mon appart en mode Noël. J'ai un petit appartement, donc ça va être vite fait. Mais je me suis dit que bon, on pourrait passer un peu en mode Christmas, ça serait sympa. Et samedi, étant donné que maintenant, il y a les 20 km, je pense qu'on ira se promener un petit peu plus dans le centre pour voir un petit peu aussi les décos qu'ils ont pu installer sur Paris. Et je pense que j'aurai quelques cadeaux à faire aussi, donc voilà. Je voulais au moins vous emmener un petit peu avec moi avant Noël pour qu'on partage ça, parce qu'en plus cette année c'est une année un peu spéciale avec le contexte actuel. Ça fait du bien, un peu de légèreté, et voilà, c'est un peu l'objectif de cette vidéo, c'est qu'on puisse papoter et qu'on se mette un peu dans l'esprit de Noël ensemble. Je suis dans la chambre de ma sœur. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez la voir assez souvent, tout simplement puisque sa chambre est bien trop canon. Pour tout vous expliquer, c'était ma chambre avant. Sauf que bah, comme je suis partie de la maison, mais que je n'arrête pas de revenir... En fait, elle a pris ma chambre, puisque du coup, c'est une chambre qui est un petit peu plus grande que la deuxième pièce. Enfin, du coup, qui est devenue la sienne. Hein. Du coup, je squatte. En plus, elle a une coiffeuse. Bon, vous avez tout mon bazar, mais... Oui, alors voilà, je filme sur ça. Il y a vraiment un truc comme ça, là, comme vous savez, pour les make-up artistes dans les castings et tout. Bon, voilà, sinon, je voulais vous parler un peu de ressenti, de mood. Je sais pas comment ça va, vous, en ce moment. Dites-moi dans les commentaires. Mais moi c'est un peu le yo-yo, hein. Je ne sais pas si tout le monde est dans ce cas-là, mais avec la période, moi c'est un peu n'importe quoi. C'est pour ça que je voulais revenir ici avec un peu de légèreté et qu'on papote pour pouvoir s'entraider un petit peu. Je pense que ça fait du bien, en tout cas moi, en ce moment YouTube me fait du bien, donc je me suis dit qu'il serait peut-être bien d'en faire de même. Je voulais aussi vous parler d'un truc dans cette vidéo, alors qu'il n'a strictement rien à voir, juste c'était ma petite aparté philosophique. Oui, déjà, le pouvoir du make-up, par contre on en parle, la transformation avec la personne que vous avez vue ce matin. Et maintenant, je disais une réflexion philosophique, je me suis rendu compte que c'était hyper important de s'écouter. Alors vous allez me dire, tu nous apprends rien de ouf, je sais. Je me suis rendu compte, donc il y a des jours où ça allait, des jours où ça allait pas. Et qu'en fait j'avais vachement besoin de m'écouter, de savoir ce que moi je voulais avoir au jour le jour un peu. Et au jour où ça va pas, accepter que ça va pas. Faire ce qu'il faut bah, pour me réconforter. Je pensais à ça notamment au niveau de la nourriture. On entend souvent que c'est hyper important de manger équilibré, de manger super bien et tout. Et bien évidemment, c'est important. Mais moi, il y a vraiment des jours où j'ai besoin de m'écouter et où bah, si j'ai pas envie de me faire un repas complet, par exemple, et juste une soupe d'étoiles. Je sais pas si vous aussi, la soupe d'étoiles, c'est la soupe un peu du réconfort, le plat de réconfort. Mais moi, c'est ce que ma maman nous faisait quand on était petite, quand on n'avait pas trop faim. Et je suis toujours autant fan des soupes d'étoiles où j'ai juste envie de faire un gâteau, de regarder un film Disney. Faut savoir s'écouter. Voilà, c'est surtout ça le message, écoutez-vous et prenez soin de vous. Et surtout à suivre son intuition. Je me suis rendu compte que je savais ce qui était le mieux pour moi et qu'au fond de nous, en fait, on a toujours les réponses qu'on cherche finalement. Et qu'en écoutant un petit peu son cœur, ce qui se passe là-dedans aussi des fois, et ben on se rend compte que généralement, on a déjà les réponses. Donc faites-vous confiance. J'hésite à mettre un peu de marron au coin de l'œil. Je vais juste mettre des petites paillettes. On est le 1er décembre. Je sais pas. Non mais en même temps, c'est pas de ma faute. C'est juste que les gens sur Insta, ils sont beaucoup trop taqués. Tout le monde a déjà fait son sapin et tout. Je me suis dit, mais les gens, ils sont ouf. Donc bon, apparemment, c'est l'heure de se mettre dans le mood. Donc écoutez, on va sortir les paillettes dorées. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est affolant comment on se fait influencer, on est d'accord. Hein, enfin, en tout cas, moi, je me fais influencer de ouf à ce niveau-là. Hein. Peut-être surtout dès que la première meuf sur Insta a installé son sapin, moi c'est bon, je suis partie. Hein. En plus, on commence à nous mettre la pression avec les cadeaux de Noël. Vous avez trouvé vos cadeaux de Noël?
On est le 1er décembre, on se détend, il y a encore un peu le time, mais je parlerai pas de cadeaux de Noël ici, puisque je sais que toutes les personnes à qui je fais des cadeaux de Noël vont regarder cette vidéo. Je vous vois les petites canailles par là-bas. Je sais pas trop si ça va ressembler à quelque chose, on va dire que oui. Hein. Attendez, je vais estomper tout ça, parce que là, je ressemble à la mère Noël. Putain, je filme pas depuis tout à l'heure, non mais par contre, ça va pas du tout de filmer le matin, je suis pas réveillée. Et... Donc j'étais en train de vous dire que pour le mascara, je suis avec le Feel Stronger du coup de Yves Rocher. Moi normalement, je suis avec le Better Than Sex de Too Faced. Généralement, il me dure 7 mois, parce que je l'ai commandé à Noël dernier, donc là je l'ai recommandé. Bon, c'est vrai que celui-là n'a rien à voir, mais il fait quand même des cils un peu de biche, donc du coup c'est cool. C'est vrai que le Too Faced du coup Better Than Sex, il est assez cher, puisqu'il coûte 28€. Mais comme je vous le disais, étant donné qu'il me dure plus de 6 mois, moi je trouve que c'est largement rentabilisé. Donc si vous êtes à la recherche d'un bon mascara, je vous le conseille totalement. Bon, comme du coup ça va pas filmer, je sais pas s'il y a autre chose dont j'étais en train de vous parler. On va dire que non, et si c'était le cas, et bah tant pis pour vous. Voilà, ça m'évitera de trop m'abattre puisque comme d'hab, je fais des vidéos qui durent 6 plombes. Bon, pour les cheveux, je vous avoue qu'en ce moment, je fais rien du tout. Ah! Bon, j'ai des nœuds laissés tomber quoi. Donc généralement ça fait l'affaire. Je monte ma tenue vite fait. Attendez, parce qu'il y a du bazar partout là. Hop, du coup j'ai acheté ce petit short en simili-cuir sur Vinted. Ça faisait super longtemps que j'en cherchais un et en fait j'arrivais pas à en trouver en magasin. Et sur le compte de Kofi, je vous mettrai son Insta ici que j'adore, j'ai vu qu'elle avait acheté un short en jean sur Vinted et je sais pas, ça m'a motivée et en fait j'ai trouvé celui-là. Et du coup moi généralement je mets juste une petite chemise et voilà, ça fait le taf. Il y a des chaussures derrière, j'en peux plus. Allez, on se bouge parce qu'il est 8h49 et que mon cours commence dans 10 minutes et j'ai toujours pas déjeuné. Regardez qui c'est que je retrouve le matin. Coucou toi. Ça va, cœur? Oh, bah, généralement, c'est gros câlin. Oh, amour de ma vie. Oh, mais mon petit bébé. Et normalement, pas très loin, il y a aussi un petit chat. Je l'ai entendu. Oh, t'es là. Coucou, moumoune. Moumoune. Elle est pas chaude, elle est pas très chaude encore ce matin. Je laisse le temps de se réveiller. Ouf, lumière. Maman, ça va mon petit chat? Bon, toi je te caresse pas trop parce que je suis allergique au chat moi. Bon, j'arrête pas de vous dire que mon cours commence bientôt. Il est 56, faut que je me bouge. J'ai cours de quoi? Études comportementales, c'est pas ça. I just wanna feel something, I just wanna feel. I just wanna feel something, I just wanna feel something really real so that I can really feel like a person again. I just wanna feel something, I just wanna feel. I just wanna feel something, I just wanna feel something really real so that I can really feel like a person again, again, again. If I am telling the truth, watching my friends break their hearts in makes me jealous, I know that it's cruel, but what can you do? And it's nothing. Généralement, elle me nargue aussi toute la journée dans son petit panier comme ça. When I was young, oh tiens, viens là mon cœur. Viens ma chérie. I should have known better, and I can't feel no. Ce qui est très drôle avec mon mascara, c'est que si elle est derrière vous, que vous avancez un peu et que vous vous mettez à courir, Alaska, viens mon chien, allez! Ah, elle me tue cette chienne, j'aime trop. Avec son petit cul de lapin là. Regardez les arbres, ils commencent à perdre leurs feuilles. Il y a des petits survivants, mais c'est vraiment. Il y a celui-là là-bas. Mais sinon, ça commence à sentir l'hiver. Hein. Oui, je disais, du coup, je pars ce soir à Paris. Hey! Vous reconnaissez le décor? Comment vous dire? Je vous ai quitté hier, toute pimpante, toute innocente, à l'idée d'avoir passé ma journée et de prendre mon train pour Paris. Et comme vous le pouvez voir au décor, vous vous imaginez que ça ne s'est pas passé comme prévu. Je suis donc arrivée à la gare, et là, je vois sur le tableau d'affichage que mon train n'est pas affiché. Ça sent pas bon, surtout avec la SNCF quand il se passe ce genre de choses. Donc je vais voir la dame au guichet et je lui dis « Excusez-moi, il est où le train qui va à Paris ?» Le 17h41. Donc en fait, j'avais le ticket, hein, j'avais vraiment le billet et tout, j'avais le billet avec l'heure, ma place, enfin vraiment quoi. Elle me dit « Comment ça le train 17h41? Il n'y a pas de train 17h41 pour Paris ?»
Donc là, je commence un peu à m'échauffer, vous vous imaginez bien quand même. Et en fait, il y avait un bug avec l'appli SNCF et j'ai acheté un billet pour un train qui n'existe pas. Donc du coup, j'ai repoussé mon billet et je ne pars que samedi matin. Voilà, donc ça me fait encore quelques jours par ici. Je me suis dit, c'est pas grave, tu pourras voir la neige, c'est cool, tu vois, il va neiger ici. Alors qu'en fait, il fait juste un temps de merde. Hier, pendant toute la journée, j'avais une espèce de boule au ventre. Je vous ai fait tout un laïus en vous disant qu'il fallait s'écouter et tout. Et je sentais qu'il y avait un truc qui... Bah voilà, je sais pourquoi. Mais bon, écoutez, voilà, j'ai été un peu énervée hier. J'étais un peu triste tout net parce que je devais retrouver mon chéri sur Paris. Donc, écoutez, la vie, des fois, c'est comme ça. Je me dis, bon, j'essaie de relativiser en me disant que de toute façon, bah, je ne peux rien y faire et que, bah, c'est que ça devait se passer comme ça. Donc, je sais pas si je vais vraiment vous filmer là sur les 3 prochains jours parce que comme j'ai vraiment des journées boulot, il se passera pas grand chose. Trouver ce week-end, on fera un petit bout de la déco et puis on ira voir les rues aussi décorées là-haut. On se retrouve certainement dans quelques secondes pour vous et je dirais dans bien 3 jours pour moi. C'est un échec total. Il y a un monde de fifou aujourd'hui. Je vais vraiment aller de Paris pour essayer de trouver un coin qui n'est pas trop plat. Nights are getting shorter, no hot chocolate. Fills the air and Christmas cheer does too. Picking out your Christmas tree so loudly. The joy this time it brings to you. Ooh, ah, nah. Quoi. Elle a un tapis de ouf et l'autre elle se couche là-dessus. Mais mon chien, genre c'est un tapis de salle de bain qui est en train de sécher. Non mais j'en peux plus de toi. Mais tu bailles mon chien, c'est pas très intéressant ce que je raconte. Mon cœur.